domino. Le printemps chante en moi, Dominique. Le soleil s'est fait beau. J'ai le cœur comme une boîte à musique. J'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud. J'ai envie d'être aimé. Quel accueil, vous ça fait plaisir. Sympa. Oh, quel accueil. Merci, merci. On se sent bienvenu. Hein. Merci. J'ai mon hélico qui est pas loin. Qui est garé en double fil. Hein. J'ai les warnings et tout. Oui. Alors, il y a des poches partout, tu vois, c'est pratique. J'avais jamais eu envie de réaliser. Vu que ce que j'aime, c'est écrire des histoires. Et là, c'est Jean-Louis Lévy qui m'a proposé de réaliser ce film. Et je sais pas, il pensait que j'en étais capable. Moi, j'ai dit non, que c'était pas mon métier. C'est du Clint Eastwood, subitement. Enfin, de la Drôme, quand même. Non, moi, j'ose plus, évidemment, lui proposer, puisqu'elle m'a dit non et que je respecte sa parole. Mais je me dis, bon, bah, c'est dommage. Et elle, de son côté, je l'ai appris après, se dit, mais qu'est-ce que, pourquoi j'ai refusé? Mais c'est idiot. Tous mes amis, en plus, me disent, une chance comme ça, il faut la saisir, etc. Je me plaignais souvent que quand on écrit, après, les réalisateurs font des choses que nous, en tant que scénaristes, on n'avait pas... On se sent toujours un petit peu trahi, c'est normal, ou interprété en tout cas. Et donc, on m'a dit, mais si, fais-le et tout. Alors, j'ai rappelé Jean-Louis Lévy, puis j'ai dit, bah, je veux bien essayer si vous m'entourez bien et tout. Alors, viens. Coupe du con. Tu faisais une liaison. Alors, viens. Je ne vous cacherai pas que la campagne est un univers dans lequel je me sens légèrement étranger. Ah non, ça sent la bête morte. Hein. À sortie de temps, John. Silencieux. Moteur. Tourne. Vol 3 sur 2, première. Partez. Aussi précis que le travail à la main, mais beaucoup plus rapide. La semaine prochaine, je vais au salon Rottier. Avec ma femme, on n'a pas loupé une seule fois le salon routier. Pour dire. Oui. Vous connaissez? Le salon de l'agriculture, en Allemagne, à Hanovre. Ah, ils en ont même parlé hier à la télé, hein? Pour dire. Oui, alors. C'est en Allemagne. Vous avez une grosse arrivée, là. Hein. Faites très attention. Coupez! La bête s'est vidée, là. Hein. C'est l'histoire d'un homme qui cherche quelqu'un pour l'aider dans la ferme. Qui ne cherche pas quelqu'un à mettre dans son lit, mais qui cherche quelqu'un à mettre dans son champ. Il ne cherche pas une histoire d'amour. Il est simplement... Il ne peut pas fournir, quoi. Il ne peut pas... l'intendance de la maison, le poulailler, etc. Lui, il est toujours dans son champ. Donc, il cherche quelqu'un... Ça va, je cherche quelqu'un de bien. Ça va. Très précis. Moi, je cherche quelqu'un de bien précis. Si je vois que tu corresponds pas, je te dis franchement, ça ne pourra pas durer. Moi, je cherche quelqu'un de bien précis. Si je vois que tu corresponds pas, je te dis franchement, ça ne pourra pas durer. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tourne. 52 sur 2, première. Partez. C'est demain. C'est demain que tu devais arriver. Plus d'argent pour l'hôtel. Plus d'argent. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Le magasin. Beaucoup de pensées. Dépenser, ça commence bien. Qu'est-ce que tu fais? Ton lit. Clic-clac, tu parles. Ça fait ni clic ni clac, ce truc. Si tu commences à acheter l'argent par les fenêtres, hein, ça va pas aller, je t'avertis, moi. Enfin, j'espère que c'est clair. Ça l'est pas pour moi, mais j'espère que pour toi, ça l'est, hein, parce que... Moi, je l'ai dirigé dans mon bureau, finalement. T'es ici? Quand j'écrivais pour lui, j'avais sa musique et tout, je me suis pas beaucoup trompée sur sa façon et de se déplacer, et de se... C'est dans mon bureau que je l'ai fait. Après lui, il a pris le texte, et sauf de temps en temps où il dit, oh bah, si tu pouvais le faire un tout petit peu plus en colère ou un peu plus tendre, mais à part ça, on ne le dirige pas. Moi, je cherche quelqu'un de bien précis. Si je vois que tu corresponds pas, bah, ça pourra pas durer. Pour toi, cadeau. Il y a des fleurs? Il y a des fleurs, mais je vois qu'il y a des fleurs. C'est idiot de dépenser de l'argent pour des fleurs. Blanche.
c'est l'intrusion d'une jeune femme dans un univers où elle n'est pas du tout attendue et avec face à un type qui ne sait pas comment ça marche et à qui elle va apprendre la vie, ce que c'est que d'avoir des sentiments, ce que c'est que d'avoir de la tendresse, ce que c'est que d'être gentil avec son chien, des choses aussi simples que ça. Ça pourrait se passer ailleurs que dans une ferme. Non mais attends, je te montre l'action, regarde, c'est ça. Ouais. Ça sent la cocotte, elle vit. Donc tu sors. Donc elle, elle va quand même, elle est beaucoup moins lassive. Elle s'adresse, oui. Elle se dit, ouh. Ouh là, ça sent cramé. Ouh. Elle veut rester un peu à l'écran, donc elle fait ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur deux deuxièmes. Partez. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Tu vas foutre le feu avec ces conneries. Oh, plus joli comme ça. Plus joli? Non mais regarde-moi cette chambre. C'est toi qui as mis du parfum, ça pue. Ça sent la cocotte. Cocotte? Comme les poules? Les poules, oui, exactement. Non mais regarde-toi, c'est quoi ce maquillage? Tu t'es vu? Et ça, c'est quoi? C'est ça une chemise de nuit? Merde. C'était bien. C'est dans l'autre sens. C'est une chemise de nuit, c'est ça une chemise de nuit. Pardon. C'est quelqu'un qui n'a pas intégré le fait d'être amoureux, le fait d'être heureux. Peut-être pour lui des trucs pour le cinéma, pour les émissions, les films qu'il voit à la télé. Voilà, là-dedans, il y a des gens qui ont des histoires d'amour, qui sont heureux, ouais. Qui sont attendris, qui sont... Mais dans la vie, on a autre chose à foutre. Non mais pour qui tu me prends? Allez, sors de ce lit! Sors de ce lit tout de suite! C'est ça qu'on vous apprend en Roumanie à faire la pute? Coupé. Ça va? Non, pas mal. Tout va bien, pas mal. Jusqu'à ce que cette fille arrive. Et ça, ça bouscule tout. Parce que ça marche plus... Ça, ces certitudes... Tu sens bien qu'elles ne tiennent pas la route, là. Et donc... Elle le bouscule beaucoup. Partez. Coupez. Je peux dire qu'Elena, c'est une fille avec un formidable instinct de lutte pour survivre. Elena est un personnage très lumineux. Je crois que ça, c'est la clé de mon personnage. C'est le contraste entre sa vie qui est très dure, très malheureuse, et le soleil de son espoir. Elena, qu'est-ce que tu fais? Et quand tu as un espoir, rien ne semble trop difficile, même changer un homme comme aimé. Où tu vas? Je vais où je veux, je ne suis pas ton femme! Oui, et fais attention, parce que ce n'est pas comme ça que tu vas le devenir. T'as mieux! Je sais, tu ne veux pas de moi. Aussi moi, je vais trouver quelqu'un qui voudra de moi. À cette heure-ci, Elena! C'est coupé, merci. On a coupé. Elle joue extrêmement juste en français. Ça, c'est très très compliqué hein, quand même de jouer avec toutes les subtilités dans une langue qui n'est pas la vôtre. Surtout quand 6 mois avant, vous ne la parliez pas. Quoi. C'est... 86 sur 4, deuxième. Partez. Ça fait plusieurs jours qu'elle est comme ça. Ah non, c'est... Mais c'est quoi là? Arrêtez quoi, c'est pas sympa. Là. C'est qui là-bas? Oh, dans la télé, oh, mais... là. Non, il y a quelqu'un qui... Non, il y a quelqu'un qui bouge là-bas, qui est vivant quelque part. Il y a un être vivant quelque part. Partez. Ça fait plusieurs jours qu'elle est comme ça. Elle ne mange plus, elle ne parle plus. Je lui lance des œufs, ça la fait pas rire. Je pense qu'elle a... Le mal du pays. Pourtant, le pays, tu verrais. Ça, je veux dire, j'imagine que la vie en Roumanie, ça ne doit pas... Pour moi, c'est un film qu'il aurait fallu confier s'il avait été écrit il y a 30 ans à Bourville, ou 30 ou 40 ans à Bourville. Ce mélange de possibilités d'être drôle et d'avoir des choses très humaines. Une espèce de... Or, moi, on me propose assez rarement, et je ne m'écris pas d'ailleurs non plus, hein, donc je ne peux pas gueuler, mais on me propose assez rarement des personnages avec une dimension d'humanité.
C'est pour ça que les mecs, ils vont là-bas. Ils savent que les filles sont prêtes à épouser n'importe qui plutôt que de continuer à mener la vie qu'elles ont. Oui, bien sûr. Enfin, moi, elle est là pour un stage. Roland Blanchot, c'est le meilleur ami d'Aimé, qui est joué par Michel Blanc. Donc, c'est son meilleur ami. C'est celui qui, sous des airs extrêmement généreux et bourrus, peut quand même voir ce qui se passe, savoir, comprendre et... dénouer la situation un peu compliquée qui lui arrive parce qu'il arrive à observer. Mais enfin, bon, ce sont des amitiés silencieuses, ce que je dirais, des amitiés où on s'offre un café, on reste là, on échange un certain nombre de banalités, mais en même temps avec une. Derrière une grande observation et connaissance de l'autre. Il doit durer combien de temps son stage? Je sais pas. Donc ça. Bon. Personnellement, j'étais à fond. Ce qui est très très dur, c'est de jouer la comédie dans certaines scènes parce qu'elle demande de l'émotion. Et l'émotion, et Dieu est d'accord avec moi, l'émotion, c'est extrêmement fragile. C'est-à-dire que vous sentez l'émotion arriver, si on ne tourne pas dans le moment où votre émotion est là et ne demande qu'à sortir, on risque fort de ne pas la retrouver après. Toi, avoir enfant? Ah non, 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 supporte pas, non. Non, ça crie, c'est toujours après vous, ça comprend rien. Non, après, je dis pas quand ça grandit. Vers 12-13 ans, ça peut aider à la ferme. Mais... Ah, à condition de ne pas tomber sur une fille. Parce que... Une fille dans une ferme, c'est la catastrophe. Je suis contente que... J'ai eu l'occasion de voir comme il travaille. Et l'art de Michel Blanc, c'est comme les dessins des chairs. Ils sont très simples et clairs, mais si tu regardes exactement les détails, tu vois que ce n'est pas simple du tout. Deux cuillères? Oui, pour nous deux. Tu n'as jamais fait dessert avec deux cuillères? Jamel. J'avais qu'elle coupe à jamais la saleté. J'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur pour faire ce film, parce qu'on me faisait une confiance aveugle, que Jean-Louis Lévy n'arrêtait pas de me dire « Mais si, vous allez y arriver. » Et que je l'ai préparé à mort à Paris, vous savez, dans les bureaux et tout. J'ai fait le découpage, tout ça. Ce qui fait que finalement, je suis arrivée très décontractée, sauf le premier jour, parce que je savais exactement ce qu'on allait faire, quoi. Et... Chacun ait un petit truc, sauf René. Vladimir. On y va. Quoi, tu peux me couper, hein, aussi. Faut me couper. Tout le monde dit oui. Tu vas dire, est-ce que je suis un séducteur? Et là, il va y avoir le clan de ceux qui vont dire, t'es Napoléon, hein, de toute façon. Oui. Elle est très concentrée. Elle est très... Je cherche le terme exact. Très intransigeante dans le bon sens du terme, mais pas du tout dans l'attitude. Mais elle sait ce qu'elle veut et elle ne lâche pas tant qu'elle ne l'a pas. Ça, c'est très bien. Voilà, alors, donc tu vas dire après, est-ce que je suis mort? Tout le monde, oui. Et là, René, vous allez dire qui c'est qui est mort? Je crois que... Ah, c'est à ce moment-là, c'est voilà. Après, René. Chez qui, Canon? Oui, non, non, une fois, ça va. Je vais vous dire plus fort, donc vous le ferez un peu plus... Vous le ferez plus fort, et je vais vous dire très fort, et vous le ferez très fort. Allez-y, René. Chut. Chez qui est mort? Très bien. Chez qui est mort? Antoine, chez qui est mort? Je pars dans la cuisine. Chez qui est mort? Chez qui est mort? Non. C'est qui est mort?
Ah oui, ah oui, ah oui, bah oui, on dit bah oui, mais en fait. C'est qui est mort? Voilà. C'est qui est mort? Voilà. Alors, à toi, Michel. C'est qui? Non, 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 non. C'est toute la terminale à faire ça. Top. Ah bon, vous allez montrer comment ça s'attrape, ça, si j'ose dire. Les cons. Ah oui, ah bah, il est en train de chier. Ah oui, je me doutais que ça, c'est l'émotion, tout ça. Ben moi, ce qui m'intéresse toujours dans les comédies, c'est que ce soit d'abord des comédies de situation et qu'il y ait toujours quelque chose de profond. Si c'est une comédie qui s'articule sur la succession des gags, en général, j'appelle même plus ça une comédie. Partez ! Alors, Lucien Hubert... 3 kg 2. 3 kg 200. Hé, hey, depuis quand il fait la grève de la fête, on l'a fait ? N'en rajoutez pas, hein. C'est déjà pas facile pour lui. Les personnages... Alors ? Enfin, le mien, par exemple, est un personnage sérieux, mais qui se retrouve pris dans des situations abracadabrantes, donc il se retrouve dans une situation alors... comique, mais lui-même n'a pas conscience qu'il est drôle. 8 kg 200 ! C'est pas possible, tu lui as fait prendre des produits. Toujours moins de quoi ? Mais pas du tout. Mais il est mort. Mais attends, il est mort ton lapin. Il est mort, mais comment ça il est mort ? Bon, évidemment, on va pas tuer un lapin. Alors, on lui a donné des produits pour l'endormir, quoi. Sous contrôle médical, hein, la faculté était là, il y avait un vétérinaire... René Le Calme, s'est immédiatement mis dans la tête qu'on avait tué le lapin, qu'on lui mentait en disant qu'il était endormi, qu'il y avait un vétérinaire, et donc que pendant toute la prise, elle hurlait « Assassin, assassin !» René, ne dites pas « Assassin !» René, tu dis bonjour, dis bonjour. C'est un des rescapés. Mais comment c'est un nouveau. Alors c'est lui qui a eu l'anesthésie. Les deux, ils ont eu une anesthésie, ils sont tous les deux bien réveillés. Lui et ma petite beauté. Non, il dit, mais c'est plus un. Les gars, c'est mort, c'est lui. Il a des salopards, du salmon. Ils en crèveront. Et toi, tu iras au paradis des lapins. Mais eux, ils auront avec le diable. Et donc, elle nous a fait rire, puis après, on s'est rabibochés. Et puis, moi, je l'ai vu bouffer du lapin à la cantine. Alors, en plus, pas exagéré non plus. Filme ça, ce truc-là. C'est lui, le tortionnaire de mon chien. Montre ton visage, il sera flouté, il sera flouté, il sera flouté. Assume, assume. Voilà, c'est lui, c'est lui. Renaud. C'est Renaud. Et lui aussi, malgré ses lunettes noires. On le reconnaît, voici les deux tortionnaires. C'est Stéphane. Suite aux accusations faites par Isabelle concernant son chien, on voulait dire qu'on a fait des choses, certes, mais à contre-cœur. C'est pas de notre faute. C'est elle qui nous demande de faire tout ça pour son chien. Je pense qu'elle est en fait, elle est, oui, je pense qu'elle est noire dans son cœur, même. Ah ouais. Il est où, d'ailleurs, Panda? Non, d'ailleurs, quand les deux tortionnaires sont là, je sais que mon chien ne risque rien. Quoique, ou alors, ça a été des... Panda. Ah ben là j'arrive de Valence. Mon Dieu, qu'ils sont
fait. Alors voilà. Voilà, vous avez suivi tout ce que la sienne a été martyrisée. L'épisode Vanda. Hein? Voilà. Les épisodes Vanda. Et les auteurs de cette lettre anonyme, ils sont... Va-t'en, Bruno Matin. Ils sont... Viens avec moi. Ils sont là. Ils sont là. On sera très très méchant avec Vanda et on rira ta voiture. On s'excuse, mais on n'a plus de journal. Et la chienne, elle va bien? Ben oui, Vanda. Côté les mecs de l'A380 n'ont rien vécu. Qu'est-ce que tu veux m'enlever? C'est gentil de chercher un prétexte pour me mettre une main au cul, Roxane, mais... Tu n'avais qu'à me le demander gentiment, hein. J'aurais évidemment accepté. Bah, j'ai pas l'impression... Enfin si, je sais bien que c'est le dernier jour, mais c'est tellement pas fini, maintenant je vais aller au montage. Donc c'est une étape qui est finie, mais c'est pas le film qui est fini, quoi. C'est pas... Donc, c'est une étape terminée, je prends pas conscience encore. Mais il y a eu plein d'étapes, quoi. Il y a eu l'étape du scénario terminé où c'était très confortable de travailler à la maison, de travailler avec Jean-Louis au téléphone, etc. Et je me disais, oh, c'est ça, j'aime bien. Après, il y a eu l'étape de la préparation dans les bureaux et tout, avec c'était très chaleureux. Je me disais, oh, mais c'est ça que j'aime bien, je ne veux pas tourner, c'est ça que je préfère, c'est préparer dans les bureaux. Après, il y a eu l'étape du tournage, je me disais, mais c'est ça que j'aime bien, je ne veux pas aller au montage, c'est ça que je préfère. Il va y avoir le montage, et puis voilà. Mais... Donc, je suis... Non, je ne suis pas triste. Allez, ouais, alors d'accord, on y va. Action! À vos souhaits! Partez! Partez! C'est un film simple, c'est une histoire simple, c'est. Il n'y a pas d'imposture par rapport à ce que je suis. Medea, your left leg. Mets la plus bas. Your left. Ta left. Voilà. Ouais, c'est le dernier plan pour le lapin aussi. Non. Et pour toi aussi. C'est idiot de faire ça, là. Je trouve que les plus belles comédies sont les comédies qui aussi nous donnent à réfléchir. Celle-là, elle va nous émouvoir. C'est une comédie que je vais appeler d'émouvante, ouais, en même temps sentimentale, avec des moments de drôlerie. Ok, c'était donc le dernier plan de... Pampan. Pampan, on peut applaudir Pampan. C'était le dernier plan de Michel Blanc. Si tu frottes bien comme ça, il a complètement disparu. Tu crois encore que c'est dans mes manches? Oui. Il disparaît complètement. Tu crois qu'il est dans mon slip? Alors on va le faire. Oui, c'est gentil de faire les trous de nez. Si tu veux faire les oreilles, on se voit cet après-midi. Hein? Non, tu me pas, on va jouer du piano et parquer King Kong. Si. Yes. Merci. On a un petit grain, mais on peut se rappeler un peu plus tard. Oh, mais lâche-moi de toute façon. Ouais. Je suis bonne, non?